Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une auteure que j'adore. Elle est pour moi très importante, comme vous pouvez le remarquer. Il y a énormément de livres sur cette table. Cette auteure, elle s'appelle Mireille Calmel. Elle est française. Elle est née en 1964. Et depuis quelques années, elle a décidé, depuis 1993, de travailler sur le Moyen-Âge. C'est pour ça que vous aviez la petite ritournelle du Moyen-Âge en fond au commencement en fait, de cette vidéo. Alors Mireille Calmel, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment une grande fan. Il y a énormément de bouquins. Elle a travaillé des trilogies, des sagas, etc. Et le livre qui m'a fait connaître Mireille Calmel, c'est ce bouquin qui s'appelle « Le lit d'Aliénor », qui est son premier bouquin. Alors, elle parle d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été reine de France. Je vous donne les dates de 1137 à 1152. Puis, elle a été reine d'Angleterre de 1152 à 1189. Et c'est la maman de Richard Cœur de Lion, que vous peut-être que vous connaissez grâce à Robin des Bois, puisque c'est le gentil qui va délivrer Robin. Au-delà de ça, pourquoi j'aime aussi Mireille Calmel? Tout simplement parce que dans tous ses livres, elle a mis en scène des femmes. Donc vous avez Aliénor, vous avez Elora, vous avez Lady Pirate, vous avez la fille des Templiers, vous avez Léliane de Venise, vous avez aussi des hors sagas comme la Marquise. Vous avez compris, elle met tout le temps des femmes à l'honneur. Ce sont des femmes courageuses, fortes et ambitieuses. Voilà, allez, à bientôt !